Έχει ένα γλυκό ήλιο σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα και θέλω να σταματήσω να μιλάω. Θέλω όλοι να σταματήσουμε να μιλάμε και να δώσουμε ένα στο σώμα του στον άλλον. Και τότε όλα ίσως είναι σωστά. Γεμάτα. Mon film, c'est Journal d'une solitude sexuelle. Et le point de départ, c'est mes journaux intimes que je tiens depuis l'enfance. Et en fait, quelques années après, j'ai relu certains passages et j'ai pu avoir un regard nouveau sur des choses qui étaient écrites de façon très brute et très directe, comme ça, enfin, qui venaient vraiment directement du vécu. Et aussi, j'ai découvert que je me suis rappelé en fait que j'avais. Pris quelques images pendant un certain moment et tout ça concernait une certaine période où j'enchaînais les expériences sexuelles avec des hommes. J'avais vraiment un désir d'explorer la sexualité et le corps. Sauf que j'arrivais pas à trouver ma place et en fait une place pour que mon désir et mon plaisir soient vraiment concrétisé. Et donc je me suis, ouais, je reviens sur les images, donc je me suis rappelé qu'avec mon téléphone j'avais pris quelques images, c'était des vêtements par terre, c'était toujours après le sexe, et c'était des vêtements par terre, c'était des chambres vides, c'était les intérieurs en fait des hommes chez qui je passais la nuit. Et je me suis rendu compte que là, il y avait vraiment quelque chose qui venait d'un sentiment de vide, d'absence et de frustration et que qu'il y avait presque un acte de transgression là-dedans. Et donc, je me suis dit, c'est intéressant, j'ai envie de prolonger ce geste. Et donc, c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai décidé de faire ce film et que ce film a pris cette forme. Et je suis partie à Athènes avec un caméscope pour donc reconstituer plein de moments de cette période-là. Et donc je me suis mise dans le personnage et j'ai déambulé dans des intérieurs en ayant toujours en tête que je sors de ce moment-là. Et c'était assez. Voilà, intéressant comme je connaissais bien cet état-là, j'ai pu explorer comme ça. J'ai d'abord choisi, j'ai fait un vrai travail de tri et j'ai choisi des passages de mon journal qui faisaient sens, en fait, qui aussi montraient une évolution, parce que c'est une introspection, donc je voulais vraiment passer par plein d'étapes. Et donc voilà, je suis partie, j'ai présenté ça avec une évolution. Et à la fin, mais ensuite je suis partie avec la caméra. Et en fait, là, beaucoup de choses ont changé. Et au montage, on a beaucoup réécrit parce que le rythme des plans ne correspondait pas forcément au rythme des phrases. Et ça, c'était un travail hyper intéressant de réinventer la parole, en fait, et de la rendre. Musicale, de la rendre, enfin de lui donner un rythme par rapport aux images. Είχαμε γελάσει πολύ. Όταν όμως καθίσαμε και μου έβγαλε γρήγορα τα ρούχα, ένιωσα ότι δεν παίζαμε πια. Θέλησα να του πω να περιμένει. Αλλά με το χέρι του έβαλε το πουλί του μέσα μου και συγκεντρώθηκε σε αυτή την επαναληπτική κίνηση που τον έφερε σε οργασμό. J'ai pensé le texte avant de le filmer, mais je travaillais vraiment en parallèle. Je trouvais une chambre, je m'imprégnais du lieu et puis je me disais, ok, parmi la matière que j'ai déjà, qu'est-ce qui marche bien avec cette ambiance, dans quel état de mon introspection, de mon évolution, je suis quand je suis dans cette chambre-là. Et donc, je choisissais des passages et j'écrivais, je me filmais écrire. Voilà, bien sûr, c'était des choses qu'au montage, on me posait problème parce qu'après, on voulait prendre des libertés par rapport à ça, mais au final, on n'est pas resté vraiment très strict là-dedans. On a pu inventer, oui, enfin, des choses
qui collent pas forcément au texte écrit à la main. J'étais toute seule. J'ai vraiment fait pour le tournage. Hein, j'ai fait tout le film toute seule. Et j'ai alterné entre les moments où j'étais dans des chambres. Et là, je passais vraiment beaucoup de temps. J'y allais deux fois pour m'imprégner du lieu et et comprendre, voilà, comme j'ai dit, dans quel état je suis. Et après, je me suis beaucoup baladée à Athènes avec la caméra. Et là, oui, comme j'étais dans le personnage, en fait, et c'était une version en fait, de moi-même d'il y a quelques années, j'ai essayé de me dire, ouais, qu'est-ce que j'aurais fait là? Donc, je me posais dans des endroits, je filmais, j'ai beaucoup filmé la nature, les parcs, je filmais les gens de loin. Donc, j'essayais de vraiment incarner et concrétiser cet état-là psychique. Dans la ville aussi, donc c'est pour ça qu'il y a quelques passages en ville. Et puis il y a eu aussi ma chambre qui a eu une importance, où c'est vraiment à chaque fois le retour, après ces expériences, le retour chez moi et un moment où je vais mettre les choses à plat et réfléchir et repartir. Έχω ραντεβού με το Σίγμα στο Λόφο σήμερα το βράδυ. Δίνουμε ραντεβού στην κορυφή, αλλά εγώ φτάνω πιο νωρίς. Στο σπίτι μου δεν μπορώ να σταθώ. Πάντα μου άρεσε ο Σίγμα. Και αυτή η βόλτα που εγώ προτείνω δεν έχει τίποτα το αθώο. Oui, en fait, en relisant donc mes journaux intimes, je me suis rendu compte de quelque chose dont je me rendais pas compte à l'époque quand j'écrivais, c'est que c'était pas cette frustration-là, c'était pas quelque chose de seulement personnel, mais que ça concernait plein de femmes et que en fait, donc c'est grâce à des discussions que j'ai eues avec mes amis, c'est grâce à des expériences de vie qui ont été beaucoup plus riche par la suite, mais aussi grâce à beaucoup de lectures, que j'ai pu comprendre que là, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la société et que en fait, on est devant la sexualité est prisonnière d'un script sexuel qui nous est imposé. Que c'est comme si on doit toujours jouer un jeu qui est une sorte de comédie finalement où qui a des étapes qui est vraiment bien scénarisée avec donc le préliminaire avec qui vont conduire à la pénétration d'un vagin par un pénis et puis cet orgasme qui doit être partagé comme ça tout le monde doit dire enfin tout le monde doit dire on a passé un bon moment et donc souvent, peut-être, on a l'impression que la sexualité, c'est le moment où on se livre et c'est vraiment le moment du plaisir et que ça sort du quotidien. Et en fait, on se rend compte, et moi, j'ai vraiment compris ça, qu'on traîne toute la société au lit et que c'est un moment où on est aussi très vulnérable, on est face à notre nudité, pas seulement physique, mais aussi métaphorique. Et que donc, oui, c'est vrai, ça n'échappe pas du tout aux normes de la société, oui. Et donc, les rapports de force, les rapports de passivité féminine sont reproduits. Et en plus, on n'en parle pas, donc c'est compliqué. Ce que je comprends aussi maintenant, c'est qu'on hérite d'une tradition qui met le corps, qui distingue le corps de l'esprit et qui en fait travaille dans cette binarité-là et qui refuse de vraiment prendre le corps au sérieux avec ses désirs et ses besoins et sa finitude aussi. Et donc moi j'ai vraiment toujours envie de partir de corps et d'une expérience vraiment physique
que je ne comprends pas tout à fait parce que je trouve que le corps est quand même quelque chose de très, très mystérieux, qui nous est proche, mais en même temps très, très étranger. Et donc oui, je pense que la sexualité, avec voilà, notre héritage judéo-chrétien, est un domaine très, encore très, très mystérieux et avec plein de refoulements, de craintes, de choses que peut-être aujourd'hui on est en train d'explorer beaucoup plus, de façon beaucoup plus dynamique et peut-être audacieuse. Mais c'est quand même un condense plein de choses qui restent tabous. La sexualité masculine est aussi victime de plein de normes, de préjugés. Et donc cette question de... Je pense que c'est des représentations et des rôles qu'on joue qui tous les deux se... Enfin, nuisent l'un à l'autre parce que y a cette idée de performance pour les hommes, cette idée de perfection, de vraiment gérer la situation. Bien sûr, c'est une question, c'est une position de pouvoir et donc c'est beaucoup plus problématique et enfin quand tu exerces un pouvoir. Mais je pense que c'est aussi la masculinité et la virilité, ce sont des questions qu'on doit aussi discuter ouvertement. Σταμάτησε και με ρώτησε γιατί γελάω. Του είπα. Του τα είπα όλα. Ότι δεν μου αρέσει έτσι το σεξ. Ότι δεν γίνεται να το κάνουμε έτσι. Ότι είναι βαρετό. Ότι θα μπορούσε να είναι τόσο όμορφο. Αλλά ότι χωρίς μυστήριο δεν υπάρχει σεξ.